Wow. Chut. Putain, t'es malade. Laisse-toi faire. Tu fous quoi? Tu m'emmènes? Marche, je vais gameler. Marche là? Ouais. Oh. Désolée. Attends. Deux secondes. Il y a les filles? Tada! Joyeux anniversaire! Non, je suis trop désolée, j'arrive pas à allumer les bougies, ça me stresse. Oh non, sérieux! Non, mais c'est une galère, mais pas possible! Désolée, mais je me suis cramé le doigt, mais attends, la lumière. Attends, là. Bon, souffle! Ouais, le cheveu veut, je veux. Si, c'est cool. Ouais, hey, mais vous parlez trop, bien. C'est dingue, ça on vous entend depuis là-bas. Mais aucune surprise. Ah, mais là, ça va. Pas surprise, je pas. Je me suis grave cramée. Comment ça va fait. Genre, j'ai pris mon. En gros, j'avais trop la flemme de les faire cuire dans la casserole. Du coup, j'ai mis toute ma sauce tomate dans un bol. Et genre, je l'ai mis dans le micro-ondes. Et ça a explosé. Genre, du coup, mon micro-ondes, il est dégueulasse. Attendez, je prends une photo. Vous êtes trop mignonne. Non, mais tu sais pas prendre les photos. Aïe aïe aïe, grosse clique. Regarde, elle est trop drôle, vraiment. Ah oui. J'avoue, t'es grave moche. Comment on fait pour effacer ce truc? Pourquoi tu fous cette tête? Non, efface pas. Ah non, wow. C'est mort. Ça y est, la Québécoise, elle est énervée, là. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hé, hey, assis de tabarnak. Hé, hey, qu'est-ce que tu veux? Ça y est, on a réveillé la Québécoise. Ok, ben ma grand-mère... Elle parle tout le temps comme ça, vraiment, là. Puis c'est super fatigant, t'sais, parce que je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais j'essaye quand même. C'est vraiment... parce que c'est quand même le fun, vraiment, d'avoir une famille qui est québécoise. Puis le Québec, c'est vraiment un endroit qui est super cool, quoi. Fait que... Tu te la pètes trop. Je me la pète. Tu es le Québécois, hey, je me la pète-tu? Hey, t'es-tu sérieuse? Je me la pète-tu? Mais meuf, t'as une bougie dans les cheveux. Je me dis, vous êtes sérieuse, là? Mais c'est pas drôle, j'aurais de la cire dans les cheveux. Putain! On est je sais pas d'où elle vient. On est dans une bougie. Putain, mais je vais la tuer, cette meuf, c'est pas possible. Tu prends une clope, s'il te plaît. Ouais. À ton service. Ça faisait tellement longtemps, n'empêche. Ouais, c'est grave. Ouais. Je suis trop heureuse. Trop heureuse que tu sois là. Bon, du coup, on fait quoi ce soir? Vous voulez qu'on aille regarder un film? Grave! Parce que la semaine dernière, on était chez Jade et on a regardé Demoiselles de Rochefort et genre, on a fait que chanter avec mais... Jade. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître et pourtant ne sais rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits? Si tu les connaissais, tu serais stupéfait. J'aime trop. Attends, fais voir. T'as un truc là? Ouais, écoute, je suis en train de manger donc ouais. Non, mais non, c'est bon, Juliette. Je m'enlève toujours mes trucs. Je reviens dans 2 minutes. Ouais, non, 2 secondes. Ça me saoule un peu. Hein. Enfin, je sais pas. J'ai un peu l'impression d'avoir donné du temps, de l'énergie et tout, et qu'elle s'en fout, quoi. Moi, ça me gave, quoi. Mais il dure 3 heures son appel, en plus. Bah ouais, bah c'est tout le temps comme ça. On va pas la suivre toute notre vie, on va pas attendre tout le temps qu'elle revienne et tout. Lui courir après comme ça sert à rien, quoi. Il y a un moment où faut arrêter. C'est relou, quoi. Je dois y aller.
Qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'as un message. Tu fais quoi là? C'est un message de Maeva. Trop hâte de te retrouver, elle dit. Tant qu'à faire, je lui réponds. Hein. Tic, 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 tic. Ah ouais, t'as plein de messages. De toute façon, c'était sûr, hein. Qu'est-ce que c'était sûr? C'est bon, de quoi c'était sûr? Mais c'était sûr que tu te casserais comme ça. T'es là, sur ton téléphone. Eh ben, casse-toi, alors. Je vous lâche pas, on avait rien prévu. Bon, tu sais quoi, donne-lui son cadeau, comme ça, c'est fait. C'est de la part de nous toutes. C'est une écharpe qui fait gant. Comme t'as tout le temps froid. Excusez-moi, monsieur. Mmh. Monsieur, il y a encore des trains ce soir ou pas? Il y a des bus? J'ai l'impression de pas être assez bien pour toi. T'as besoin de personne, toi, en fait. C'est juste que j'ai le cafard ici. Je me sens tout le temps seule. Même avec vous.
crois que c'est possible, ça, d'être très très proche de quelqu'un et puis plus rien. Je sais pas. Chaque jour je remercie le ciel, toujours conscient de mon privilège d'aller sur un chemin qui me tient loin de tout piège. Chouette balade, l'incertitude, douce compagne. J'ai fui ces grises contrées dont l'ennui et le bagne. Et le bourreau à maintes reprises que je veux la même chose que les autres. J'ai peur en avoir honte, j'aspire au calme dans mon cœur, dans ma tête et mon compte. Sachant que dans mes jardins secrets comme tous, j'ai des roses et des ronces. Point serré, je fais mes choix, c'est seul que je rentre les comptes. Aucun regret à titre posthume, je m'y tiens et j'assume. Cette voix sinueuse où chaque mot est doux comme une lame et dur comme une plume. Mes dents j'ai dû aiguiser, couper les fils de mes membres, mes doutes j'ai dû les terrasser avant que ce ne soit eux qui m'étendent. Le but de ma lutte, avoir le droit de choisir aussi longtemps que possible. Et si le bonheur vient en prime, je pense pas que ça puisse être nuisible. Je sais que banal est ma quête, à l'inverse de mon procédé. Les bras tendus dans le noir gère en fait tout ce que je peux faire, c'est avancer sans vraiment savoir si mon ciel sera bleu ou gris. S'il fera jour